Alors tu peux biffer un autre nom sur ta liste. Il a souffert. Je suis pas du genre à jouer avec ma proie. Mais si tu voulais régler ça comme avec Gréco, j'aurais pu le ramener ici. Gréco, ça a rien à voir. C'était dans le feu de l'action. Ton pote, ça devait être un sacré client. S'il a fallu tous ces types pour l'éliminer. Il s'est fait doubler par quelques-uns de ses fils de pute. Ils l'ont baisé quand il est venu leur demander un coup de main. Et ils ont tous fini ici. La commission donne carte blanche à Sal pour gérer son affaire. En échange, il enrôle dans son organisation tous les volontaires qu'elle lui envoie. Ouais, la merde tombe jamais très loin des trous du cul, on dirait. On se comprend. On se comprend. L'enfoiré suivant est ce connard paranoïaque de Lucas. Le problème, c'est qu'il se planque. Ce crétin est persuadé que quelqu'un le cherche pour le buter. Je sais pas d'où il sort cette théorie. Va foutre la trouille à quelques trous ducs dans la rue. Peut-être qu'ils vont te raconter où il se cache. T'as entendu ça? Regardez qui va. Cet enfoiré! Putain de merde! C'est bon. J'appelle la police. Où est-ce que je peux trouver Lucas? Tout ce que je sais, c'est que Lucas se planque dans un entrepôt. T'en sais beaucoup trop. Allô? Ça sent les emmerdes. Aidez-nous. Unité dans la zone. On nous signale un homicide en centre-ville. Intervenez. They...
tire. Tombe comme des putains de mouches. J'ai pas me laisser faire. L'ai trouvé. Ils nous plombent tous, putain. J'en balance une au ras du sol. Éclate-lui sa putain de gueule. Fais un carnage. Plus qu'un nom sur ma liste. Préviens-moi quand tu t'en seras occupé.